2013, plongeons-nous dans l'univers d'After Earth. On m'a souvent parlé de la Terre. Après un atterrissage forcé, un père et son fils se retrouvent sur Terre, 1000 ans après que l'humanité ait été obligée d'évacuer la planète. Voilà où on est. Et ça, c'est l'autre partie du vaisseau, quelque part dans cette zone. J'ai les deux jambes fracturées, dont une gravement touchée. C'est une planète placée en quarantaine niveau 1. Tout ce qu'il y a sur cette planète a évolué dans le but de tuer les humains. Le père, interprété par Will Smith, grièvement blessé, c'est son fils, le vrai fils de Will Smith dans la vie, qui s'engage dans un périple pour demander de l'aide. Il va donc explorer des lieux inconnus et combattre une créature extraterrestre redoutable qui s'est échappée au moment du crash. Pour avoir une chance de rentrer chez eux, père et fils vont devoir apprendre à œuvrer ensemble et à se faire confiance. Tu es à 9,7 km de l'abri thermique. Tu ne veux pas me montrer ton 10 km en 50 minutes, cadet ? Ce n'est pas la première fois que Will Smith se retrouve en terrain hostile. En effet, dans Je suis une légende, il était attaqué par les infectés. Dans Le jour où la Terre s'arrêta, un alien d'apparence humaine provoquait alors sur Terre de terribles catastrophes. État critique, pontage défaillant. Pour la scène majeure du film, l'attaque des babouins, les acteurs n'ont pas joué sans partenaire, comme c'est souvent le cas avec les images de synthèse. Des cascadeurs ont en effet pris la place des babouins et ont été retirés de l'image lors de la post-production. Détail, calme-toi. Allez-vous-en. Détail. Tu dois te soumettre à une évaluation physique. Tu as les symptômes d'une grave contamination sanguine. Es-tu blessé? Je suis étourdi. Kitaï, auto-évaluation. After Earth, c'est un vrai film de science-fiction, mais surtout, le tout repose sur un concept simple, la relation entre un père et son fils. Je veux me lever. Général. J'ai dit vouloir me lever. Sans doute. Tu sais quoi ? Quoi ? Je veux travailler avec maman.